بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 2, c'est-à-dire la sourate Al-Baqarah, la vache, au verset 200, 201 et 202. Vous savez qu'il est de coutume, pendant le mois de Ramadan, de faire des prières nocturnes, qu'on appelle les Tarawih. Et la plupart de nos imams s'attellent à réciter pendant ces prières le Coran en entier, en essayant tous les soirs, toutes les nuits, de réciter deux hizb, un juz. C'est-à-dire à la fin du mois, normalement, le Coran a été récité, a été entendu, écouté par les fidèles qui prient à la mosquée. Donc, ce verset du Coran, c'est sûr et certain que la semaine dernière, si vous avez prié derrière l'imam, vous l'avez écouté, vous l'avez entendu. En vérité, on n'a pas besoin de prier derrière l'imam pour écouter ce verset du Coran parce qu'on le connaît tous. Je vais vous le réciter, là vous allez dire, ah oui, d'accord, c'est un verset du Coran. Moi je pensais que c'était une invocation, une doa, qu'on faisait comme ça. Mais non, c'est un verset du Coran. Comme quand on a fini une assise. Hein, avant de se séparer, on fait une invocation. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, Subhana Rabbika, Rabbil Izzati, Amma Yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous savez que c'est un verset du Coran, ça? C'est un verset du Coran. Vous ne le saviez pas, hein? Ça, voilà le bien fondé d'organiser des séminaires et de s'inscrire et de venir. Donc cette invocation qu'on fait pour clôturer une réunion, une assise, c'est un verset du Coran. Alors, qui va me donner le nom de la sourate où se trouve ce verset du Coran? Là, je vous donne 100 euros si vous trouvez. 100 euros. Ça vaut le coup, vous allez devenir riche. Vous voulez que je vous rajoute un zéro? Un zéro? Un zéro? Ouais. 1000 euros. Ah, il y en a qui sortent leur iPhone là. Si, si, je t'ai vu là. Ne te cache pas. Ouais. Bon, d'ici la fin, si vous trouvez, vous me faites signe. Mais bien sûr, je retire les zéros. Hein. Ouais. Je vous laisse 1 euro, Fakat. Parce que vous pouvez tricher, bien sûr. Il faut utiliser la technologie. Donc, ce verset que je vais vous réciter, tous les musulmans le connaissent, mais peut-être que la plupart d'entre eux ne savent pas que c'est un verset de la sourate la vache, le verset 200. Et ce verset résume, ouais, le titre de cette intervention. La thématique qu'on va aborder maintenant, elle est résumée dans ce verset. Vous êtes prêts? Allah dit dans le verset 200 de la sourate Al-Baqarah, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Verset suivant. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Verset suivant. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Alors, vous êtes d'accord que tous les musulmans connaissent le verset 201, Rabbana atina fid dunya hasanatan. Qui ne connaît pas? Tout le monde connaît. Parce que c'est une invocation, une supplication. On supplie Dieu, on demande à Allah, quoi? De réussir sur terre et dans l'au-delà. On demande à Allah le bonheur sur terre et dans l'autre et dans l'au-delà. Le bien-être sur terre et dans l'au-delà. Ce verset du Coran résume la philosophie spirituelle de l'islam. L'islam ne nous demande pas de ne pas jouir sur terre, sous prétexte que la vie d'ici-bas, c'est une malédiction, c'est une punition. Vous savez que certains croyants pensent qu'on est sur terre à cause d'un péché, à cause d'une faute. C'est-à-dire, notre ancêtre, notre père, Adam alayhi salatu wassalam, a oublié, il s'est trompé, il a été victime de la pression, l'waswasa de Shaitan, et il a désobéi à Dieu. Certains musulmans et les chrétiens disent que c'est parce que Adam désobéit
qu'il a été privé du paradis et qu'il est descendu sur terre, et sur terre c'est la galère et la misère. Et d'ailleurs, il y a une parole qui est imputée à un très grand élève des compagnons qui s'appelle Hassan al-Basri, radiallahu anhu, qui aurait dit que la vie sur terre n'est que le fruit de la désobéissance à Dieu. Hein? Adam a désobéi à Dieu, il a été puni, la conséquence, c'est qu'il a été envoyé en prison. Et c'est où la prison? C'est le bagne terrestre, c'est la vie sur terre. Cette croyance, ouvrez bien vos oreilles, est fausse. C'est pas vrai. Adam n'a pas été puni. Adam n'a pas été puni. Pourquoi? Parce que il a oublié, il a été piégé, il a désobéi, il a demandé pardon et Dieu lui a pardonné. Donc si Dieu a pardonné, ça veut dire qu'il ne l'a pas, il n'a pas puni. Fataba alayhi. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Tout simplement. C'est-à-dire, Adam a prié Dieu, il a demandé pardon. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ô Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, c'est-à-dire en te désobéissant, j'ai fait une faute et je vais payer la facture puisque je vais être privé du paradis. Pardonne-moi. Parce que si tu ne me pardonnes pas, je suis voué à ma perte. Est-ce que Dieu lui a pardonné? Donc, la vie sur terre, ce n'est pas une punition. La vie sur terre, ce n'est pas la conséquence d'un péché. Vous savez pourquoi? Parce que dans la sourate la vache, qu'est-ce qu'Allah dit? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. C'est-à-dire, Allah annonce aux anges qu'il va créer un être humain, donc Adam, pour qu'il vive sur terre. Donc vous voyez bien, avant même qu'Adam ne soit créé, il était prédestiné à vivre où? Au paradis ou sur terre? Ben, sur terre. Adam n'était pas prédestiné à vivre au paradis. Il a été prédestiné à vivre sur terre, il a juste fait un passage au paradis. Vous avez compris? Donc, la vie d'ici-bas, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un malheur. La vie d'ici-bas, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau d'Allah, puisqu'Allah nous a donné la possibilité d'être des êtres humains. Donc, avec quoi? Avec une conscience. Donc, on est conscient qu'on est vivant, on est conscient que nous sommes des élus, on a été choisis par Dieu. L'univers a été créé pour nous. Tout ce qu'Allah a créé, la terre et tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a dans ce cosmos, c'est pour nous, hein. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça, il n'y a pas d'autres êtres humains ailleurs. Les êtres humains sont sur terre et il n'y a que la terre qui a été créée pour accueillir l'homme avec un grand H. Donc, ne cherchez pas à acheter un billet pour aller sur la Lune, sur Mars. Ouais, c'est juste une arnaque. Parce qu'ils vendent des billets, hein, les Américains. Ils vendent des billets, hein. Parce qu'ils ont prévu, s'inédié, on ne sait pas quand, qu'un jour on irait sur la Lune. Donc ils ont déjà mis en vente les billets. Il y a déjà des personnes qui ont acheté. Vous savez, ceux qui ont de l'argent, qui ne savent pas quoi faire avec leur argent, ouais, 1 million d'euros, 10 millions d'euros, dans le froid, dans le vide. Ouais. Le mec qui va mourir 10 fois, il n'y aura pas son billet et ce n'est pas satisfait ou remboursé. Non, 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 c'est tupé et circule. Vous avez compris l'arnaque, vous avez compris comment on se moque des gens. Nous, musulmans, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas tomber dans ce piège. Vous avez compris? Nous, le seul billet qu'on a, qui va nous permettre d'aller ailleurs, c'est lequel? C'est le billet du paradis. Très bien. Donc, on va se mettre d'accord tout de suite sur le premier point. La vie sur terre n'est pas une malédiction, un malheur, ce n'est pas la conséquence, le résultat d'un péché. La vie sur terre, c'est la volonté de Dieu. Et la vie sur terre, c'est un cadeau. Allah est bon et généreux. Il nous a
permis d'exister. Et nous savons tous, nous, en tant que croyants musulmans, que la vie, ben, elle est éternelle. C'est-à-dire l'âme qui fait que nous sommes vivants ne meurt pas. Elle a eu un début et elle n'aura pas de fin. Du moins, pour nous, les croyants, destinés, Inch'Allah, au paradis, on vivra au paradis éternellement. Il n'y aura pas d'interruption. Donc, il y a eu un commencement et il n'y aura pas de fin. Et la vie d'ici-bas, c'est juste un passage. Ouais. Voilà, c'est ça notre aqidah, c'est ça notre croyance. Maintenant, il y a un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari qui pourrait prêter à confusion s'il est mal compris. Le hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la vie d'ici-bas est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. C'est-à-dire pour nous croyants, la vie d'ici-bas c'est une prison. Et c'est quoi une prison à votre avis? C'est une punition. Dans une prison on est privé. Privé de liberté, privé de mille et une bonnes choses. Par contre, celui qui ne croit pas en Allah, la vie d'ici-bas, c'est le Club Med. Parce qu'il n'y a pas de limite. Hein, il n'a pas la notion de halal haram. Hein, c'est obligatoire, fais, ne fais pas. Donc ce hadith peut être mal compris par certains musulmans. Ainsi, certains pensent et croient que sur terre, il n'y a pas de bonheur, comme en prison, il n'y a pas de bonheur. Et que nous avons été créés non pas pour vivre sur terre, mais dans l'au-delà. Et la vie d'ici-bas, c'est une prison. Et quand quelqu'un est en prison, il fait quoi à votre avis? Il fait tout pour sortir de prison. Donc la solution, c'est quoi? C'est de mourir. Hein? La vie d'ici-bas, c'est une prison. Comment sortir de la prison? Ben, il faut mourir. Donc, levez vos mains et on va demander à Allah de mourir pour sortir de prison. Alors, vous êtes d'accord avec cette manière de comprendre le hadith? Levez la main ceux qui veulent mourir. Non? Levez la main. Qui veut mourir? Qui veut se suicider? Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de demander la mort. Hein? Vous le savez ça, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique que ne demandez pas la mort. Et si jamais vous souffrez, vous galérez, ouais, et vous n'y arrivez plus, alors vous avez la possibilité d'implorer Dieu en ces termes. Ô Seigneur, si la vie d'ici-bas est meilleure pour moi, donne-moi longue vie. Mais si l'au-delà est meilleur pour moi, rappelle-moi vers toi. En vérité, vous laissez Dieu faire le choix. Mais vous, vous partez pas du principe que vous avez la possibilité de vous donner la mort. Pas seulement physiquement, mais même psychologiquement. C'est-à-dire, tu dois pas te mettre en mode « j'ai plus envie de vivre, j'ai plus le goût de vivre ». Et tu te laisses mourir, tu te laisses faner. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ouais. Tant que tu respires, tu dois te battre. Tu dois patienter, tu dois résister. En fait, tant que tu respires, tu dois obéir à Dieu. Et si jamais tu es fatigué, ce qui est tout à fait possible, là tu demandes à Allah le meilleur pour toi. Si la mort est meilleure pour toi, ya Allah, fasse que je quitte cette vie d'ici-bas. Mais si la vie est meilleure pour moi, laisse-moi vivre le plus longtemps dans ces conditions. Donc vous voyez que le choix au final, c'est pas le nôtre. Nous, le choix que nous avons, non, c'est même pas un choix. Le devoir que nous avons, vous savez c'est quoi? C'est de vivre heureux sur terre pour vivre encore plus heureux dans l'au-delà. C'est comme ça qu'on pense et qu'on voit les choses. Donc, que veut dire le hadith? La vie d'ici-bas est une prison pour le croyant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie d'ici-bas comparée à l'au-delà, c'est une prison. Et c'est vrai. Parce que sur terre, est-ce que nous sommes libres de faire ce qu'on veut, nous musulmans? La preuve, regardez, j'ai soif, je voudrais boire. Je peux boire? Je n'ai pas le droit de boire. Donc, ma liberté est restreinte. Qui c'est qui restreint ma liberté? C'est ma foi, ma croyance, c'est Dieu. Donc, je suis en prison parce que j'ai des limites.
j'ai des privations, mais je les ai choisies, vous êtes bien d'accord. Le non-croyant, celui qui ne croit pas en l'au-delà, qui ne croit pas en Dieu, il ne comprend pas pourquoi on jeûne. Vous êtes fou. C'est n'importe quoi. Profitez de la vie d'ici-bas. Éclatez-vous. Au moins, la vie d'ici-bas, on est sûr. L'au-delà, il y a un doute. C'est le pari de Pascal. En vérité, oui, la vie d'ici-bas comparée à celle de l'au-delà est une prison parce que nous n'avons pas la liberté de faire ce que l'on veut à 100% en tant que croyant. Mais ce n'est pas une prison au sens on doit souffrir, on doit s'auto-flageller, c'est, on doit se détruire. Ce n'est pas ça, une prison. La preuve, regardez, l'imam al-Bukhari rapporte qu'un homme était malade et souffrant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui rend visite. Et vous savez ce que dit cet homme? Il dit, ô Seigneur, fais-moi souffrir encore plus. Allez, ya Allah, vas-y, ouais, augmente la dose. Hein, il avait de la fièvre, il souffrait. Comme ça, dans l'au-delà, j'aurai pas de souffrance. Allez, ya Allah, fais-moi souffrir sur terre pour que je ne souffre pas dans l'au-delà. Ça a l'air d'être intelligent. Ouais. Est-ce que le prophète va acquiescer? Est-ce que le prophète est d'accord avec lui? Il lui dit non. Subhanallah, la tutiqo. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit gloire à Dieu. Mais tu n'es pas capable d'encaisser, de supporter le courroux et la punition divine. C'est pas ça que tu dois dire. Tu dois dire, ô Seigneur, préserve-moi. Allahumma aafini. Allez, ya Allah, guéris-moi, soigne-moi. Ya Allah, fasse que je ne souffre ni sur terre, ni dans l'au-delà. Donc, voyez comment est notre religion. Ce n'est pas la religion de la souffrance. Hein, la religion de la misère et de la galère. C'est la religion de la hasana. Atina fid dunya hasana. Ya Allah, je veux le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et non pas, ya Allah, si j'ai le choix entre le bonheur sur terre et dans l'au-delà, je préfère le bonheur dans l'au-delà et tant pis sur terre. Non, c'est pas comme ça notre religion. Notre religion, c'est Allah nous a garanti les deux. La nuhiyannahu hayatan. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire tout homme et toute femme qui ont fait le choix d'adhérer à cette religion, Dieu leur promet une vie de bonheur sur terre et dans l'au-delà. Hein, ce n'est pas quitte ou double. Ouais. Soit tu es heureux sur terre et tu seras malheureux dans l'au-delà. Et d'ailleurs, il y a dans la Bible un dicton qui dit que les riches n'entreront pas au paradis à condition que vous arriviez à, c'est ce que c'est le chat d'une aiguille, hein, une aiguille, le trou d'aiguille, on appelle ça le chat d'une aiguille, hein, tu prends du fil, tu le rentres. Prenez une corde, est-ce que vous pouvez faire rentrer une corde dans le chat d'une aiguille? C'est pas possible. Hein, la corde, elle est trop grosse. Ben, la Bible dit que les riches n'arriveront pas à entrer au paradis comme une corde ne peut pas rentrer dans le chat d'une aiguille. C'est-à-dire, si tu veux entrer au paradis, il faut que tu sois pauvre. Et malheureusement, certains musulmans, certains imams, certains savants, même des groupes de musulmans, c'est-à-dire des confréries, on va les appeler comme ça, soufis, se sont égarés car ils ont fait le choix d'être pauvres parce que pour eux, tu ne peux pas être croyant et riche. Car la richesse, le bien-être, le plaisir, c'est antinomique avec la foi, avec la religion. Et ça a donné hein, des confréries soufis, et ça existe encore aujourd'hui, des musulmans
qui te disent je veux pas de la dunya. La dunya, c'est dangereux. La dunya, ça veut dire les plaisirs d'ici-bas, hein. L'argent, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est un égarement manifeste. Pourquoi c'est un égarement manifeste? Ben parce que Dieu a créé la terre et il a mis dedans les bonnes choses. Et qu'est-ce qu'il nous dit plusieurs fois dans le Coran? Kolo mina mina tayyibat, kolo min tayyibatima razaqnakum. C'est-à-dire, consommez les bonnes choses que j'ai créées pour vous. Le Coran va plus loin puisqu'il condamne ceux qui osent interdire les bonnes choses. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja ha li'ibadihi. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, qui ose interdire zinatallah. Ça veut dire quoi zina en arabe? Zina, qu'est-ce que ça veut dire? Zinato. La beauté. Qui ose interdire les belles choses que Dieu a créées pour les êtres humains? Levez la main ceux qui interdisent les bonnes choses que Dieu a créées. Alhamdoulilah, pas un musulman n'ose interdire. D'ailleurs, si jamais vous le faites, vous n'êtes plus musulman. Puisque Dieu les a créés, les a autorisés aux croyants sur terre et dans l'au-delà. Donc si vous vous interdisez les bonnes choses, ça veut dire que vous interdisez ce que Dieu a interdit. Donc vous n'êtes plus croyant, puisque vous vous opposez à la volonté divine. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce premier point est clair? Très bien. Maintenant, ce n'est pas parce que les bonnes choses sur terre sont licites qu'il n'y a pas de limite. Ce que Dieu nous demande de réaliser dans tous les domaines, le din et la dunya, c'est-à-dire le spirituel, le rituel, le religieux, et le matériel, le temporel, vous savez qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Créer l'équilibre, tout simplement. Dieu dit dans le Coran, « وَوَضَعَ الْمِيزَانِ أَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانِ » Dieu a créé toute chose. Il y a des lois. Il y a une loi qui s'appelle la loi de l'équilibre. Et il nous demande de respecter l'équilibre. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de l'exagération. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Si vous voulez que ça fonctionne, dans tous les domaines, recherchez le juste milieu. C'est-à-dire, ne tombez pas dans le dénuement total. Ouais, vous faites vœu de pauvreté, comme le font les moines, d'accord? Mais ne tombez pas non plus dans l'hédonisme. Ouais? C'est-à-dire, tu t'éclates sans limite. Allah nous dit, « Kulu washrabu wala tusrifu ». Allez, buvez, mangez, mais n'exagérez pas. C'est-à-dire, ne dépassez pas les limites. N'en faites pas trop parce que ça va se retourner contre vous. En vérité, tout se résume par cette parole. L'overdose de bien, de bonnes choses, tue. Le sel, c'est halal ou haram? C'est halal. C'est nécessaire ou c'est pas nécessaire pour le corps? C'est nécessaire. Manger 3 kilos de sel par jour. Non, on va pas manger du sel. L'autre là, son copain. Ils sont toujours ensemble. Le sucre. Alors, le sucre, c'est bon ou c'est pas bon pour le corps? C'est bon. Manger 1 kilo de sucre par jour. Vous allez finir comment? Vous avez vu le sucre qui est halal? Si on tombe dans la surconsommation, il devient un poison qui nous tue. Ben, c'est ça la philosophie musulmane. La dunya. Le musulman court après, mais ne doit pas s'essouffler. Il doit prendre de la dunya ce qui est nécessaire, ce qui est vital, ce qui est obligatoire, et aussi ce qui est superflu, mais il ne doit pas tomber dans l'exagération.
tout simplement. Voilà, notre religion, elle est, alhamdoulilah, facile à comprendre et elle est facile à appliquer. Donc, Allah nous enseigne, il nous dit comment gérer le din et la dunya. Il ne nous a pas laissé faire ce qu'on voulait. Il nous a mis des limites. Même dans le din, pourtant le din c'est positif. Allez, la pratique de la religion, le rituel. Regardez, le mois de Ramadan. Vous êtes d'accord que le jeûne du mois de Ramadan, c'est bon pour l'âme. Vous connaissez la récompense. Hein, on vous l'a dit, on vous l'a rappelé avant le Ramadan. Mais écoutez, nous n'avons pas le droit de pratiquer le jeûne du mois de Ramadan comme on veut. Par exemple, tu veux faire le malin et tu dis, bon, je ne bois pas, je ne mange pas la journée, je vais être récompensé par Dieu. Ah, j'ai une super idée. Je ne vais pas boire et je ne vais pas manger la nuit. Je vais jeûner pendant 48 heures. Comme ça, j'aurai plus de récompenses. C'est possible hein, que vous pensiez comme ça, non? Hein, vous mettez la barre un peu plus haute. Alors, vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit? Mais écoutez, l'imam al-Bukhari rapporte qu'un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, a observé que certains de ses compagnons étaient faibles. Il me dit, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes dans le gaz? Il dit, ce prophète, on jeûne. Oui, moi aussi je jeûne, tout le monde jeûne, c'est le Ramadan. Oui, mais nous, ça fait 24 heures d'affilée qu'on jeûne. C'est-à-dire, même la nuit, on n'a pas bu, on n'a pas mangé. Le prophète leur a dit, subhanallah, pourquoi vous faites ça? Il dit, ben prophète, parce que tu le fais. Et on veut faire comme toi, tu es un modèle et un exemple. Et là, le prophète va les rappeler à l'ordre en leur disant, ne faites pas comme moi dans tous les domaines. J'ai un régime particulier, car je suis le messager de Dieu. Ainsi, moi, Dieu m'a autorisé à jeûner 3 jours et 3 nuits d'affilée, sans boire ni manger la nuit. Mais vous, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas ma force. Ma force spirituelle et ma force physique. Ainsi, vous allez jeûner jusqu'au coucher du soleil et vous allez manger la nuit, vous allez boire la nuit. Vous avez vu, l'intention des compagnons, elle était bonne. Hein? Ils voulaient jeûner la nuit pour être encore plus proche de Dieu, car le jeûne nous rapproche de Dieu. Ils voulaient suivre les pas du prophète et c'est magnifique de suivre le prophète. L'intention est bonne, l'acte en lui-même, il est bon puisqu'Allah nous demande de jeûner, ben, c'est interdit. Nous n'avons pas le droit en tant que musulmans de jeûner un jeûne ininterrompu d'un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Nous n'avons pas le droit. Et pourtant le jeûne est bon, mais on n'a pas le droit de prier comme on veut, on n'a pas le droit de jeûner comme on veut, on n'a pas le droit de verser la zakat comme on veut. Et même les actes religieux, purs, que Dieu nous impose, qui ont pour objectif de nous élever spirituellement, Allah nous a donné la recette. Parce que l'overdose de religion tue. Hein, jeûner 3 jours et 3 nuits, ça va nous tuer, ça va nous empêcher d'assumer nos obligations, travailler, conduire, etc., etc. Si Dieu nous met des restrictions dans le din, à votre avis, est-ce qu'il va nous mettre des restrictions dans la dunya? Bah, a fortiori. Ouais. Logiquement. Puisque le din en soi n'est que positif, mais mal utilisé, il devient négatif. La dunya, bah, y a du négatif dans la dunya. Le raisin, c'est bon, mais le raisin transformé en vin, ça devient quoi? Ce que vous savez. Hein? Les relations sexuelles, c'est super. Hors mariage, vous savez ce que ça donne. L'argent, c'est bien, mais voler à un voisin, c'est pas bon. Donc, Allah va nous mettre des limites dans la dunya. Il ne nous interdit pas les bonnes choses, mais il nous les limite. En sachant qu'il y a des choses dans la dunya qui sont formellement interdites. On n'y touchera pas. Et je vous annonce une bonne nouvelle, n'ayez pas peur. Elles ne sont pas nombreuses, ces choses qui sont interdites ad vitam aeternam.
Vous êtes d'accord? Elles ne sont pas nombreuses, ces choses-là. Ouais. D'ailleurs, elles sont citées dans le Coran. Les choses interdites sont discutées. Et pourquoi elles sont citées dans le Coran, à votre avis? Parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Par contre, ce qui est autorisé, est-ce que c'est cité dans le Coran? Tout ce qui est halal, est-ce qu'il est cité dans le Coran, le halal? Non. Sinon, ce n'est pas 600 pages qu'il nous faudrait, c'est 6 milliards de pages. Il y a tellement de belles choses sur Terre. Donc, Dieu va nous mettre des limites dans la dunya. Il va nous interdire des choses de manière formelle, on ne discute pas. J'ai même envie de vous dire, on ne cherche pas à comprendre. En vérité, c'est faux, il faut toujours chercher à comprendre. Et ces choses-là, on ne s'en approche pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont une épreuve. Question, pourquoi Allah nous interdit de consommer la viande de porc? On a le droit de poser la question, on doit même se poser la question. Parce qu'on est des êtres humains doués d'intelligence. Si on a la réponse, tant mieux. Et si on ne l'a pas, on mange le porc? Pourquoi? La réponse, pourquoi on ne mange pas de porc, la plus convaincante pour nous musulmans, c'est celle-ci. Vous savez pourquoi? C'est une épreuve, c'est un examen, tout simplement. Allah nous éprouve et celui qui réussit l'examen, il est récompensé. Allah nous interdit de consommer l'alcool. Vous êtes d'accord que consommer de l'alcool en petite quantité, ça ne tuera personne. Un verre de vin par jour, après un repas, ça ne tue pas. Il y a même certains médecins qui disent que c'est très bon pour la santé. Ben, nous musulmans, l'alcool est interdit en grande quantité et en petite quantité. Pourquoi à votre avis? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous éprouve. Il nous dit, éloignez-vous de ça et je vous donnerai ça. Et Dieu merci, les épreuves ne sont pas nombreuses, les interdits ne sont pas nombreux. Et c'est ça qui fait la force, la grandeur et la beauté de l'islam. Si l'islam c'était une religion d'interdits, on serait réellement en prison et on ferait tout pour s'échapper de la prison, pour consommer l'interdit qui renferme du bien. Mais alhamdoulillah, Dieu nous connaissant, vous savez ce qu'il a fait? Il a défini, déterminé certains interdits qui sont mauvais, nocifs, dangereux pour notre santé physique, psychologique, économique et tout ce que vous voulez. Et même si l'interdit, la raison de l'interdit n'est pas toujours évidente pour certains aliments, certaines boissons, certaines actions, certaines relations, ben c'est pas grave. On fait confiance à Dieu. Vous avez compris? On fait confiance à Dieu parce que Dieu est bon et nous veut le bien. Donc, la dunya est halal à 100%, sauf ce qui est haram, et ce qui est haram est infiniment petit. Il n'y a pas beaucoup de choses haram. Ce qui est magnifique avec cette religion, c'est que le haram peut devenir halal quand c'est une question de survie. Vous avez compris? Le haram devient halal quand on n'a pas le choix. Et consommer de l'alcool, c'est haram. Si quelqu'un te met un flingue sur la tempe et te dit « bois sinon je te tue », vous buvez ou vous buvez pas? Levez la main ceux qui ne boivent pas. Alhamdoulilah, vous êtes des musulmans intelligents. Vous avez bien compris votre religion. Hein? Il n'y a pas de suicide en islam au nom de quoi? Au nom du respect des préceptes religieux. Ouais. Allah qui nous interdit de boire l'alcool pour sauver notre vie, il nous dit, vous êtes obligé de le boire et si vous ne le buvez pas, vous commettez un péché. Ibn Taymiyyah, dans ses fatawas, on lui pose la question, est-ce que boire de l'alcool pour sauver sa peau, c'est obligatoire ou non? Ou c'est juste une roursa, une dérogation? C'est-à-dire, tu as le choix. Tu veux boire, tu bois. Tu veux pas boire, tu bois pas. Vous savez comment il répond? C'est une désobéissance à Dieu et un péché que de ne pas consommer un aliment interdit quand la vie de l'individu est en danger. Il répond comme ça. Donc la dunya est halal et la permissivité, la licéité, le côté halal de la dunya
Chez nous musulmans, il est divin, c'est Allah. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. J'ai créé la terre et j'ai mis dedans tout ce dont vous avez besoin pour que vous en profitiez. Maintenant, il faut respecter les limites. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Les barrières, no trespassing, ne t'approche pas. C'est du feu, ça brûle. Comme les parents mettent des barrières aux enfants, Allah nous met des barrières parce que Dieu nous veut du bien et il nous aime et il sait et nous ne savons pas ou nous oublions ou nous nous trompons. Tout simplement. Et dites-moi, combien de temps dure la dunya? C'est quoi la moyenne en ce moment? C'est combien? 70 ans? 78 pour les femmes, 73 pour les hommes. C'est ça? 75. C'est la moyenne. Donc, ne trouvez-vous pas que ça vaut le coup de se priver de certaines choses sur terre pour gagner l'éternité, le paradis? Parce que la vie, elle passe ou elle passe pas? Je vous annonce une mauvaise nouvelle, parce que vous êtes jeunes, elle passe très vite. Et vous n'êtes pas clairs les jeunes. Hein? Vous allez bientôt nous rattraper, nous les vieux. Nous dépasser, ça va être difficile, hein? Parce qu'on est coriace, on ne se laisse pas faire. Mais vous allez nous rattraper plus vite que prévu. Ouais. C'est un clin d'œil la vie d'ici-bas. Et vous savez, nous les vieux, on n'a qu'un rêve. On voudrait qu'il se réalise. Mais ça reste un rêve, il ne se réalisera pas. Vous savez lequel? C'est de faire marche arrière et de redevenir jeune comme vous. Vous savez pourquoi? Parce que la vie, elle est belle. Et si jamais on pouvait revenir en arrière, vous savez ce qu'on ferait? On ne recommencerait pas les erreurs qu'on a commises, les péchés qu'on a commis. Parce qu'on a fait des erreurs, on a fait des péchés. On a désobéi à Dieu. Et avec le temps, on se mord les doigts. Vous savez pourquoi? Parce que le plaisir du péché, on ne le ressent plus aujourd'hui. Mais le problème, les conséquences, elles nous suivent. Si Dieu ne nous a pas pardonnés, on peut foutre en l'air notre vie dans l'au-delà à cause d'un péché qui a duré 2 minutes, 5 minutes, 1 heure, 1 an, 6 mois, peu importe le temps. Et avec le temps, tu sais, avec le recul, ben on découvre que ça valait vraiment pas le coup. Ça valait pas le coup d'avoir désobéi à Dieu. C'est pour cela. Si vous voulez comprendre ce que c'est que le dîn et la dunya, vous devez lire une sourate qui s'appelle la sourate le récit, Al-Qasasu. Le récit, Al-Qasas. L'histoire. Alors, qu'est-ce que dit cette sourate? Cette sourate raconte l'histoire de Moussa, alayhi salam. Vous voyez qui est ce Moussa? Oui? Comment il s'appelle? Moussa. Moïse, comment encore? Comment il s'appelle? Oui, je l'ai entendu? Moshe. Moshe, exactement. Donc les juifs disent Moshe, nous occidentaux on dit Moïse, le Coran dit Moussa, très bien. Donc Moussa ibn Imran, comme ça qu'il s'appelle, Moussa ibn Imran. Dans la sourate Al-Qasasu, il y a le récit de Moussa. Et à un moment donné, au verset, oh, punaise, faites attention à vos yeux, hein. Ils ne sont pas éternels. Vous avez compris ce que je viens de dire, non? La vue, elle fait quoi avec le temps? Elle baisse. Et avec les écrans, elle fait quoi? C'est pas baissé là, c'est, elle périclite. Ouais. Il y en a qui font médecine ici? Ophtalmologie. Ouais. Tu vas devenir riche. Ils vont tous porter des lunettes. 9 mois. À la naissance, 9 mois après, ils portent des lunettes, les gosses. Parce qu'à 9 mois, ils ont déjà des écrans, vous le savez ça. Ouais. Alors, verset 76 de la sourate Al-Qasasu. C'est l'histoire d'un homme
qui faisait partie du peuple de Moussa. Inna Qaruna kana min qawmi Moussa fabara alayhim. Voilà. L'histoire, elle commence comme ça. Vérité, Allah dit que Qarun, comment la Bible l'appelle Qarun? Le Coran l'appelle Qaruna. La Bible, elle l'appelle comment? Vous allez le retenir. Corée. Hein, Corée. C-H-O-R-E-E. Corée. Hein, Corée du Nord, Corée du Sud. C'est bon? Vous le retenez? Qarun. C'est un personnage qui est cité dans le Coran. Faisait partie de quoi? Du peuple de Moussa. Fabara alayhim. C'est ce que ça veut dire, bara alayhim. Ça veut dire il a attrapé la grosse tête et il est devenu injuste. Pourquoi, à votre avis? Parce que le mec, il était multimilliardaire. Un homme très, 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 très riche. Il était tellement riche qu'il avait des coffres-forts remplis de trésors. Combien est-ce qu'il en avait de coffres-forts? On ne sait pas, le Coran ne nous dit pas combien, comme ça on peut s'imaginer ce qu'on veut, mais le Coran nous dit que il avait des clés pour ouvrir les coffres-forts. Et ces clés-là, ben il les mettait dans un coffre. Ouais. Plusieurs hommes vaillants, des personnes à 1m80, des muscles, ouais, ne pouvaient pas porter... Pas les coffres-forts remplis d'or. Les coffres remplis des clés des coffres-forts. Ouais. Donc vous imaginez la fortune, ouais, multimilliardaire. Malheureusement, l'argent lui est monté à la tête. Au lieu de rester humble et de profiter de manière modeste de sa fortune et d'être généreux, de partager, il a abusé de son pouvoir. Et les gens qui observent les milliardaires, généralement, appartiennent à deux camps. Le premier camp, c'est ceux qui vont aduler, adorer le milliardaire en pensant qu'il a de la chance, qu'il est heureux, parce qu'il est tout puissant, il peut tout se permettre et il peut tout avoir. Et il ne rêve que d'une chose, c'est de lui ressembler. Peu importe comment il a fait pour devenir riche et qu'est-ce qu'il fait de sa richesse, c'est-à-dire l'éthique, la morale, la spiritualité, il la met de côté et se focalise sur la réussite matérielle uniquement. Le deuxième camp, ce sont les gens doués d'intelligence, qui arrive à faire la part des choses. Ok, certes, c'est vrai, Qarun est riche, ses richesses lui permettent énormément de choses, mais Qarun est un diable, c'est un monstre. Ouais. Il exploite les gens. Sa richesse, elle est entachée de sang des esclaves. Ouais. En plus, il est sans pitié. Au lieu de... d'augmenter les salaires de ses ouvriers, les retraites, au lieu de, non, le mec, plus il en a, plus il en veut, et moins il en donne. Vous savez comment l'histoire va se terminer? Ces gens-là, ils aiment bien se pavaner, vous savez, se montrer. Ouais. Par exemple, ils passent commande d'une Porsche plaquée or. Ouais. Vous ne l'avez pas vu? Tapez sur YouTube les voitures des émirs du Golfe. Hein, les mecs à Monaco, à Nice, hein, ils se baladent avec une Porsche plaquée or. Il faut bien attirer les journalistes. Non, il faut bien attirer les... Tout le monde est journaliste aujourd'hui, hein, c'est ça? Les paparazzi, tout le monde est paparazzi. Ouais. Tout le monde sort les portables et... Waouh, t'as vu la voiture? Oh punaise, magnifique! Hein, on est comme ça, non? La presse people, c'est ça? La presse people. De son vrai nom, la presse satanique. Comme ça qu'il faut l'appeler. Parce que c'est quoi le but de cette presse? C'est de nous faire croire que c'est ça le bonheur uniquement, c'est ça le plaisir. Et en fait, ils nous font rêver. Puisqu'on sait très bien que
ces gens-là, ultra riches, sont une minorité et resteront toujours une minorité. Donc quelque part, on souffre gratuitement, hein, puisqu'on est... Il crée des rêves. Hein. C'est une arnaque. Hein. Alors, à votre avis, comment va se terminer l'histoire ? Ben, le mec, il va étaler ses richesses. Ouais. Il va faire une exposition de toutes ses richesses. Et bien sûr, la foule est enthousiaste. Waouh, venez, venez. Ouais, tel jour, Qarun va exposer toutes ses richesses. Journée porte ouverte pour découvrir les palais, les richesses de Qarun, l'homme le plus riche sur terre. Les gens intelligents vont prendre du recul et dire « ça va mal finir pour lui ». Quoi, vous croyez que Dieu est absent? Il ne voit pas ce qui se passe? Ben effectivement, toutes les chaînes de télévision du monde entier seront présentes, les gens avec leur portable, pour filmer la scène. Qarun, qui se prend pour Dieu, tout puissant. Et tout d'un coup, il va se passer quelque chose d'inattendu. Il va être englouti. La terre va s'ouvrir. Et Qarun et ses palais, ses richesses vont disparaître à la vitesse de la lumière, en un clin d'œil. Il n'y a plus rien. Fini. Adieu, Qarun. Réaction du public. Oh, punaise. Oh là là. Ouais, mais il y a 5 minutes, c'était votre star, votre Dieu. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est vrai, on s'est trompé, on s'est fait avoir par les apparences. Je vous renvoie à la lecture de la sourate, à son interprétation. Ouais. Comme ça, vous allez voir les détails, vous allez voir les dialogues. Ouais, entre les partisans de Qarun et de sa richesse et ceux qui étaient sceptiques et qui croyaient que tout cela, c'était de la futilité, c'était de la foutaise. Bref, en résumé, le musulman doit tout faire pour réussir sur terre et dans l'au-delà. Le musulman n'a pas le droit d'interdire ce que Dieu n'a pas interdit. Le halal est halal et restera halal jusqu'à la fin des temps. Il faut juste consommer de manière modérée le halal. Posséder et faire bon usage de notre richesse est une adoration. Posséder, travailler, bosser pour devenir riche, ce n'est pas un péché, c'est une adoration. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, implorait Dieu en ces termes. Ô Seigneur, fasse que je sois pauvre, que je reste pauvre, que je meure pauvre et que je sois ressuscité avec les pauvres. Allahumma ahyini miskinan, c'est ça? Wa amitni miskinan wa ahshurni ma'a al-masakin. Ça va, elle est belle la dua? Bah, écoutez, c'est le ramadan. Les doigts sont exaucés. Je vais prier, vous allez tous dire Amen. D'accord? Donc, il y a Allah, fasse qu'on soit tous des pauvres, au RSA, qui n'arriveront pas à joindre les fins de mois. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Dites Amen! Le prophète priait Dieu et demandait à Allah d'être pauvre. Oh là là, je vois sur vos têtes une expression de... Vous avez vu, si on comprend mal la religion, on tombe dans des contradictions. Et on ne s'en sort plus. Vous savez ce que ça veut dire? Ô Seigneur, fasse que je sois miskine. Miskine en arabe ne signifie pas uniquement indigent et pauvre. Miskine signifie... humble, en arabe. Humble. Ya Allah, fasse que je n'attrape pas la grosse tête. Tout simplement. Ya Allah, fasse que je sois proche des gens. Que je ne sois pas quelqu'un d'orgueilleux et de vaniteux. C'est ça que ça veut dire.
Le prophète n'a jamais demandé à Allah la pauvreté. Au contraire, le prophète, alayhi salatu wassalam, tous les matins, avait le souci, tous les matins, de demander à Dieu, non pas une fois, mais trois fois, de ne pas être pauvre. Allahumma inni a'udu bika min al-kufri wal-faqri. C'est ce que ça veut dire. Au Seigneur, préserve-moi de la mécréance et de la pauvreté. Donc vous voyez bien que la pauvreté, ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas un état qu'on doit rechercher. Au contraire, on doit le combattre. Puisque la pauvreté est synonyme de, dans cette invocation, de mécréance. Et c'est vrai. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, dit, lorsque la pauvreté, c'est une image, hein, décide d'aller s'installer quelque part, la mécréance lui dit, attends, j'y vais avec toi. Vous avez compris? C'est-à-dire, quand les gens sont dans des conditions extrêmes de pauvreté, ben, il leur faut pas grand-chose pour abandonner et quitter la religion ou s'asseoir sur leur éthique et leur morale. Et Ali ibn Abi Talib lui-même dit, si la pauvreté pouvait se personnifier, c'est-à-dire se transformer en être humain, je lui trancherai la tête. Allez, je la tuerai, la pauvreté. Hein, je ne la laisserai pas vivante parce que c'est un fléau qu'il faut combattre. Donc, est-ce qu'il faut chercher à être riche, oui ou non ? Arhamukallah. Oui, la richesse intellectuelle, la richesse spirituelle et la richesse matérielle. Vous voulez la preuve ? L'imam al-Bukhari rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, il y a deux types de personnes qu'il faut envier. Il faut chercher à ressembler à des gens. Quels sont nos deux stars, nos deux modèles parmi les êtres humains? Quelqu'un qui a la connaissance, la science, la religion, le Coran, et qui en fait bon usage. Il ne suffit pas d'avoir le Coran, il faut bien l'utiliser, il faut que le Coran ait un impact sur toi. Il le récite, il l'enseigne, il l'explique, et il vit avec le Coran. Donc, il faut chercher à quoi ? À s'identifier à ces personnes-là. On est d'accord ? Et c'est qui le deuxième modèle pour le musulman ? Quelle belle religion, wallah ! D'un côté, elle te met le Coran comme appât, essaie de t'accrocher au Coran, et de l'autre côté, elle te met quoi ? Elle te met les dollars. Pardon, c'est quoi la monnaie aujourd'hui qui domine ? L'euro. L'argent, l'argent. Un homme riche, une femme riche, et qui fait bon usage de sa richesse. Cherchez à lui ressembler. Cherchez à devenir riche. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça ? Alors, est-ce que c'est possible de faire les deux ? Est-ce que c'est possible de rester croyant, pieux, tout en étant investi dans la dunya ? Est-ce que c'est possible ? Bien sûr que c'est possible, sinon Dieu ne nous l'aurait pas demandé. Et on a des exemples. Le premier exemple de quelqu'un qui était riche, vous savez c'est qui ? C'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit dans le Coran, « وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى » C'est ce que ça veut dire ? Vous la connaissez la sourate, hein ? Qu'est-ce que ça veut dire « عَائِلًا » Tu ne sais pas, d'où l'utilité de venir et de s'inscrire. Hein ? « عَائِلًا » ça veut dire « pauvre hein ».« أَغْنَى » ça veut dire « enrichir ». Tu étais pauvre, ya Mohammed. Et moi, Dieu, je t'ai aidé à devenir quoi ? Pauvre ou riche ? Riche. Je ne t'ai pas maintenu dans la pauvreté. Je veux dire, non, c'est pas possible. Le prophète, il n'était pas riche. Ah bon ? Le prophète, il n'était pas riche. Le prophète, c'était un commerçant. Et il avait une épouse qui s'appelait Khadija, qui était commerçante. Et son commerce fonctionnait très bien. Tellement bien que tout le monde voulait investir avec le prophète. Le prophète était riche. Sinon, dites-moi, comment le prophète aurait pu résister pendant trois ans,
Ils ont subi un embargo, un blocus économique à la Mecque. Vous vous souvenez, pendant 3 ans. Pendant 3 ans, le prophète a résisté. Le prophète avait... Combien d'épouses il avait, le prophète, au total? Combien d'épouses il a eu dans sa vie? 11 épouses. Il est mort, il a laissé 9 femmes. Celui qui a 9 femmes, il est pauvre ou il est riche? Non? Qui c'est qui a une femme? Les mariés, là. C'est combien au minimum, une femme? Non, mais ça coûte combien? Ça dépend laquelle. On parle de la moyenne. Vous êtes responsable d'une famille. Vous avez une épouse, on va dire un enfant, 2 enfants. Même pas, vous n'avez pas d'enfant. Vous êtes à 2. Il vous faut minimum pour vivre en France 1300 euros, c'est ça? Le SMIC. Ouais. Taïb, t'en as 9 de femmes, il te faut combien? Il te faut 10 000 euros. Ben, le prophète touchait 10 000 euros par mois. Le prophète avait 10 000 euros. Le hadith rapporté par Al-Bukhari, c'est ce qu'il dit. Il dit que le prophète, alayhi salam, achetait des denrées alimentaires non périssables pour ses épouses pour toute l'année. Il faisait un stock de dattes, un stock de blé, un stock de boîtes de conserve et tout ce que vous voulez pour toute l'année. Alors, il avait les moyens ou il n'avait pas les moyens? Bien sûr que le prophète avait les moyens. Maintenant, c'est vrai que le train de vie du prophète, c'était le train de vie de quelqu'un de très humble. C'est-à-dire, le prophète avait les moyens et il a fait un choix. Vous savez lequel? C'est de partager, c'est de donner et de se priver volontairement. Ouais. Mais il avait les moyens. Il donnait à profusion. Il distribuait. C'est magnifique, c'est beau, c'est à son honneur. Il aurait pu être un empereur multimilliardaire et faire comme tous les milliardaires, abuser. Mais le prophète ne l'a pas fait. Mais retirez de votre tête que le prophète était pauvre. C'est pas vrai. Il n'était pas pauvre. Mais il a vécu comme quelqu'un qui n'a pas abusé, profité de ses richesses. Il a fait le choix de partager. Donc, un bon croyant est un croyant qui fait tout pour réussir dans le din et la dunya. Très bien, je conclue avec le mode d'emploi. Je fais comment pour réussir dans les deux? 1. Vous vous éloignez du haram. Ne vous approchez pas de ce qui est interdit, de ce que Dieu a interdit. Tout ce qui est haram, ne vous en approchez pas. Sinon, c'est la pauvreté par excellence. Et si... matériellement, vous êtes riche, vous serez pauvre spirituellement. Vous serez pauvre au niveau bonheur. Alors là, je ne vous parle pas de l'au-delà, c'est évident. Ouais, celui qui, toute sa vie, était plongé dans le haram, il n'est pas clair dans l'au-delà. Deuxièmement, il ne faut pas que la dunya nous fasse oublier le din. C'est-à-dire, dans le din, il y a des choses obligatoires qui ne se négocient pas. Hein? Que ce soit les prières, que ce soit le jeûne, le pèlerinage, les devoirs et la responsabilité envers nos proches. Nous avons des obligations vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos proches. On est responsable. La dunya ne doit pas se réaliser aux dépens des obligations. Hein? On ne discute pas ce qui est obligatoire. Tu ne vas pas courir après l'argent et tu n'assumes pas tes responsabilités vis-à-vis de ta femme et de tes enfants. Ça n'a pas de sens. Car le bonheur, il est dans la réussite familiale, il n'est pas dans l'argent. Oui, mais je veux les rendre heureux. Mais tu ne les rends pas heureux avec de l'argent si tu n'es pas présent. C'est toi qui veux, ce n'est pas l'argent. Donc faites très attention, on a tendance au nom de la dunya pour rendre heureux nos proches à détruire notre vie d'ici-bas. Et je ne vous parle pas des conséquences dans l'au-delà. Il faut savoir créer l'équilibre, et l'équilibre, le prophète l'a décrit en disant
وَأْتِي كُلِّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ. Les devoirs. Ouais. Des devoirs envers ton corps, comme dit le hadith, envers tes yeux, ta santé. Des devoirs envers ton épouse, tes invités, envers tes enfants. Donc, ne jamais faire quelque chose aux dépens d'eux. Hein? La dunya, réussir, c'est une obligation, mais pas aux dépens d'une autre obligation qui est primordiale. Ensuite, quand vous avez, sachez que ce que vous avez ne vous appartient pas. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Ça vous évitera d'attraper la grosse tête. C'est-à-dire, tout vient de Dieu. Donc, toi, tu n'es qu'un gestionnaire. Si Dieu veut, il te reprend tout. Il te prend déjà ta santé. Ouais. Et s'il veut que tu fasses faillite, tu feras faillite, malgré toi. Conclusion, restez humble et modeste. Et ensuite, faites largesse de ce que Dieu vous aura permis d'avoir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que les pauvres vont entrer au paradis avant les riches. De quel riche parle-t-il ici? Il ne parle pas d'Abu Bakr, qui était riche, de Abdurrahman ibn Auf, de Uthman ibn Affan, de Zubayr ibn al-Awwam, de Talha, de Ja'far. Il ne parle pas des compagnons millionnaires qui entrerait au paradis après les pauvres. C'est faux. Les compagnons millionnaires vont entrer au paradis avant les pauvres. Parce qu'ils ont fait beaucoup plus de bien et de hasanat que les pauvres puisqu'ils avaient les moyens. Ils parlent des riches qui n'ont pas assumé. Parce qu'il faut les juger. C'est pour ça qu'ils vont entrer au paradis après les pauvres. Les pauvres vont entrer au paradis avant eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, le jugement sera plus rapide pour eux. Le riche mskin, le temps de faire sa comptabilité, ouais, ça va prendre des années. Et comme sa comptabilité, elle n'était pas claire, ouais, c'est pour cela qu'il va galérer. Mais le riche qui travaille honnêtement et qui assume ses devoirs, ben le premier qui va entrer au paradis après le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est qui? C'est Abu Bakr Siddiq. Et Abu Bakr était quoi? Pauvre ou riche? Non. Très riche. Il n'était pas riche. Très, très riche. Mais il était humble. Il était modeste. Donc, vive le din et vive la dunya. Vous êtes d'accord? Vive le din et vive la dunya. Et abat le haram. Et la mauvaise compréhension du din.